Saint-Esprit, toi qui es depuis toujours le maître de l'impossible, viens réaliser en chacun de nous ce qui t'est possible. Fais vivre ce qui meurt, fais éclore ce qui germe, fais mûrir ce qui est tombé en terre. Encore une joie de nous retrouver en ce matin dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toujours en unisson de cœur et d'esprit avec tous nos anges, avec tous les saints et saintes du ciel. Paraclet de Dieu, en ce matin encore, nous t'invitons. Paraclet de Dieu, en ce matin encore, nous te désirons, nous te voulons. Nous te voulons dans tous les aspects de notre vie, dans l'atmosphère, dans l'environnement des différents lieux où nous nous trouvons. Que tu viennes encore remplir ces espaces-là de ta présence. Remplir tous les lieux où nous sommes de ta présence. Remplis ces lieux de toi. Remplis tous ces espaces-là de ton feu. Viens encore consumer ce qui n'est pas de toi. Viens encore consumer le moi en nous. Brise tout ce qui est paraître en nous. Par la puissance de ton feu, que tu viennes encore consumer et embraser. Que tu viennes encore nous remplir de ton feu de vérité, de ton feu d'amour, de ton feu de joie, Saint-Esprit. Nous ne cesserons de le dire. La bienheureuse Vierge Marie a su épouser la personne que tu es, épouser totalement ce que tu étais. Alors comme elle, nous voulons et nous désirons encore en ce matin et pour tous les jours de notre vie, t'épouser comme il se doit, Saint-Esprit. Alors viens, nous te louons en ce matin, nous te magnifions en ce matin, nous t'exaltons, Paraclet de Dieu. Toi qui mérites même adoration que le Père et le Fils, viens encore en ce matin nous fortifier. Viens encore en ce matin faire du bien à nos âmes. Viens encore ce matin nous conduire dans les sentiers du Père et du Fils. Viens encore dans ce matin nous aider à faire la volonté de Dieu Père Fils. Viens encore en ce matin regarder ce qui était mort en nous. Ce qui était mort afin que tu puisses encore refaire vivre cela. Saint-Esprit, nous te prions. Et nous te supplions. Louez, louez l'Esprit.
Saint-Esprit, nous te louons. Toi qui es présent dans ton sanctuaire, nous te magnifions. Toi qui es présent dans nos vies, nous te magnifions. Nous te louons, nous t'adorons et nous t'élevons. Paraclet de Dieu, toi qui te veux, présent dans tous les domaines et aspects de nos vies, nous te désirons. Toi la Shekinah de Dieu qui te veut dans notre quotidien, nous te désirons. Saint-Esprit, nous te voulons. Au-delà de tout paraître, au-delà de toute émotion, nous te voulons. Regarde encore à nos maisons. Viens encore visiter nos foyers, Saint-Esprit. Viens encore visiter ton Église. Viens redonner un nouveau feu, un nouveau souffle à ton Église. Viens redonner un nouveau souffle au sein de nos maisons, au sein de nos foyers, Saint-Esprit. Regarde des enfants que nous sommes et redonne un nouveau souffle, un nouveau parfum de ta présence, un nouveau parfum de vérité, un nouveau parfum d'amour, un nouveau parfum de joie. Viens encore par la puissance de ton feu purifier tout ce qui est don en chacun de nous. Une nouvelle onction dans ta présence. Une nouvelle dimension, une nouvelle expérience avec toi, Paraclet de Dieu. Une nouvelle réussite avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons vivre avec toi autrement. Alors nous te louons en ce matin. Au-delà de toutes choses, nous te louons au-delà de toutes choses, nous te voulons au-delà de toutes choses. Alors Saint-Esprit, encore en ce matin, entends nos voix s'élever vers toi. Regarde à nos âmes qui soupirent à toi. Regarde à nos âmes qui ne désirent que toi. Regarde à nos cœurs qui ne veulent faire qu'un avec toi. Et viens encore fortifier, viens encore faire du bien. Viens encore inonder, viens encore remplir, viens encore marquer et viens identifier tout un chacun de nos Saint-Esprit. Alors, bien-aimés de Dieu, c'est dans cette mouvance-là que nous nous abandonnons dans la présence du Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne de la Sainte Trinité, l'époux bien-aimé de la Vierge Marie. Dans cette mouvance-là que tu continues encore à faire monter tes cris, à faire monter tes soupirs, dans sa présence, afin qu'il puisse agréer et qu'il lui plaise encore de venir te faire du bien, de venir encore te remplir tout simplement de sa douce présence. Ne te soucie point de ce qui se passe à côté, ne te soucie pas du bruit. Et dans cette mouvance encore, que tu puisses faire taire tout ce qui est murmure intérieur et laisser tout simplement la place au Saint-Esprit. La place au Paraclet de Dieu, la place au divin feu de Dieu, au feu dévorant qui est la Shekinah. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Alors que le Dieu Trinitaire bénisse encore ta journée, qu'il bénisse encore l'œuvre de tes mains. Amen.